quoi que tu fasses, de toute façon, même pour toi, je pense. Oui, tu seras critiqué, bien sûr. Pas que ça. On doit savoir qui t'es. Tu dois être surveillé. On doit avoir une fiche sur toi quelque part. Comme beaucoup qui ont peut-être. Enfin, je sais pas. Mais quelque part, il y a aussi des renseignements généraux, des personnes qui surveillent un petit peu. C'est le prix à payer. Qui bouge, qui lève la tête. Oui, bien sûr. Mais c'est le prix à payer. Tu sais, quand tu t'engages dans ce combat-là, tu sais qu'après, tu vas être surveillé. Tu sais que tu auras des soucis tôt ou tard. En tout cas, si tu déranges un minimum. Mais ça, il faut en être conscient et il faut assumer. Jeune constituant, avec vos actions, vous avez sûrement été enregistré, mis dans une case, dans une boîte. C'est qui vous êtes, là. Bien sûr, je pourrais raconter plein d'anecdotes là-dessus. Ouais. Notamment quand on est rentré dans l'ambassade du Venezuela, où on a demandé l'asile politique et surtout on avait demandé, symboliquement évidemment, mais on avait demandé de l'aide du gouvernement vénézuélien pour troller un peu le gouvernement français, comme quoi les gilets jaunes étaient maltraités, donc avec la question des éborgnés, etc. Et à partir du moment où on est rentré, d'ailleurs on a été extrêmement bien reçus par les Vénézuéliens, c'était un souvenir mais magnifique. Mais vous entrez comment? Il y a quand même des gens qui surveillent à l'entrée. Mais en fait on a expliqué, on a parlé au Chicon, on avait expliqué la raison pourquoi. Et en fait on savait pourquoi il fallait viser le Venezuela, parce qu'ils ont soutenu officiellement les gilets jaunes. Il faut savoir que le Venezuela, l'Iran, la Russie, enfin plus le Venezuela et l'Iran avaient soutenu officiellement les gilets jaunes. Donc on s'est dit on va aller voir ces ambassades là. Et du coup, on avait choisi le Venezuela parce qu'on avait beaucoup d'entre nous à l'époque, on était un peu pro-Chavez et on était admiratif de l'action d'Hugo Chavez au Venezuela. Et on a été extrêmement bien reçus. Et à partir de là, il y avait. Vous êtes rentré dans l'ambassade. On est rentré dans l'ambassade, on a même les vidéos encore. Et on a des. Il y a des RG, tu sais que les RG ont pénétré les ronds-points depuis le début du mouvement. Tous les ronds-points, les grands ronds-points. Ouais. Il y a des RG qui étaient venus nous voir, qui nous disaient on vous suit depuis longtemps et tout. Ah, ils sont venus. Et puis on a commencé à discuter avec eux. Et ça faisait un moment qu'ils nous suivaient. Ouais. Et ils nous disaient, vous savez, on vous a mis sur une échelle de 10, on vous a mis à l'échelle 7. À l'échelle 7, parce que. Et on a dit, mais c'est quoi qui a fait qu'on a mis à l'échelle 7? Ah non, c'est pas du tout parce que vous avez été devant Rothschild ou quoi que ce soit. C'est parce que vous êtes rentré dans l'ambassade du Venezuela. Un pays qui n'est pas aligné à la politique étrangère de la France. C'est un danger, alors. Donc, voilà. Pour eux. Ça représente un danger parce qu'il y a une élévation du niveau politique. Tu vois, c'est ça le problème. Tant que les gilets jaunes, en fait, faisaient de la merguez, je caricature sans être méchant, tu vois, parce que moi j'ai un respect vraiment pour tous les camarades. Mais tant que tu dépasses pas la merguez et que tu dépasses pas casser les abribus, tu vois ce que je veux dire. Ça les dérange pas, ça. Et bien, du coup, tu vois, ça les dérangeait pas. Mais par contre, ce qui dérangeait, tu vois, c'est justement l'élévation du niveau politique, de conscience politique. Bon, forcément, quand tu commences à toucher au mondialisme, au nouvel ordre mondial, à la question de la pédocriminalité, à la question bancaire, des banquiers internationaux et de l'oligarchie, là, ça commence à devenir problématique pour eux. Mais en plus, si ça se traduit par un acte diplomatique, c'est encore pire. Donc c'est de là où beaucoup d'entre nous, on a commencé à avoir quelques petits soucis. Mais bon, rien de grave, quoi. On ne dérangeait pas plus que ça. Mais c'est vrai que c'est une élévation de niveau politique. Voilà, c'est des petites anecdotes comme ça que je peux te raconter. Bon, après, beaucoup de gilets jaunes constituants, d'ailleurs, s'ils nous écoutent, beaucoup d'entre eux, tu vois, ont été fortement amendés. Il y en a qui sont sortis d'entre nous, des 6-7 000 euros d'amende. Et on attendait un geste des avocats qui devaient aider les gilets jaunes. On l'a jamais eu. Là, on était très déçus à ce niveau-là, des avocats qui nous avaient donné des promesses, qui sont restés en l'air. Donc on s'est démerdé par nous-mêmes.